بسم الله الرحمن الرحيم. La zakat et les charités et leur rôle dans le développement communautaire. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre et accomplissez la salat et acquittez la zakat et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé, et que notre maître Mohammed est son serviteur et messager. Ô Allah, accorde ton salut et tes bénédictions à lui, sa famille, ses compagnons et ceux qui le suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Ensuite, la charia islamique établit aux gens un système social rectable basé sur l'interclémence, la cohérence et la solidarité. Le prophète dit la parabole du croyant en matière de l'air entre affection, entre clémence et sympathie mutuelle et celle d'un seul cours dont lorsqu'un membre souffre, les autres le consolident par vigueur et éprouvé de la fièvre. Il dit également, les Ash'arites, en cas de s'abouvir à vous, abouvir, rire, soit en guerre, soit dans la cité, se procéder à collecter ce qu'il avait dans un seul habit, puis le distribuer équitablement à chacun d'eux. Ils sont de moi et je suis d'eux. Ainsi, l'islam légivira la zakat et en fit l'un de ses piliers. Il exhorta les charités et les fit parmi les grands voies du bien. Ce qui est le susceptible de contribuer à assouvir les voisins, les besoins des indigents et leur décibés, le malheur. Allah, gloire à lui, dit, prélève sur leur bien une charité avec laquelle tu purifies et élèves. Toute chose que vous dépensez, il remplace. Il, Allah, est le meilleur pourvoyeur. Le prophète dit, l'islam est fondé sur cinq piliers. Le fait d'attester qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, d'accomplir la salat, de s'acquitter de la zakat, d'observer le jeûne de moins de Ramadan et de faire pèlerinage à la mosquée sacrée pour celui qui en dispose les moyens. Quiconque médite sur le noble Coran réalisera que dans plusieurs passages, il associe la zakat à la plus grande et sublime obligation. En l'occurrence, la salat, c'est pour en agrandir l'importance et en exhorter la performance. Allah, gloire à lui, dit, et accomplissez la salat, et acquittez la zakat, et tout ce que vous avancez du bien pour vous-même, vous le retrouvez auprès d'Allah. Car Allah voit parfaitement ce que vous faites. Il dit également, ceux qui accomplissent la salat s'acquittent de la zakat et en certitude en l'eau du là. En outre, la charia avertit contre le fait de renoncer à la zakat. Allah, gloire à lui, dit que ceux qui gardent avec avarice ce qu'Allah leur donne par sa grâce ne compte point cela comme bon pour eux, au contraire, c'est mauvais pour eux au jour de résurrection. On leur attachera autour du cou de qu'ils ont gardé avec avarice. C'est Allah qui a l'héritage du ciel et de la terre. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Et à ceux qui thésaurisent l'or et l'argent
et ne les dispose pas dans le sentier d'Allah, annonce un châtiment douloureux dans le feu de l'univers, et qu'ils en siront francs, flancs, idoux. Voici ce que vous avez trésorisé pour vous-même. Abdullah ibn Abbas, que Allah l'agrée, lui et son père dit, il y a trois versets de Torah, l'un n'est d'accepter son loutre et obéissez à Allah et obéissez au messager. Quiconque établit à Allah sans obéir au messager, son obéissance est rejetée. Accomplissez la salat et acquittez-vous de la zakat. Quiconque accomplit la salat sans s'acquitter de la zakat, cela ne sera pas agréé de lui. Sois reconnaissant à moi et à tu père et mère, celui qui éprouve la reconnaissance à Allah sans le prouver à ses pères et mères, sa reconnaissance lui sera révosée. Sans doute la charité rend force le rôle communautaire de la zakat, d'où la pure charia y exhorte et encourage. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, dit, dans les biens il y a de droits, on outre la zakat. Puis il récita le verset, la bonté buse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté buse est de croire en Allah au jour dernier, aux agents, aux livres et aux prophètes, et de donner de son bien quel qu'amour quand on est aux broches, aux orphelins, aux voyageurs indigents, aux ceux qui demandent de l'aide, et pour délier les joues d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et les bénédictions d'Allah soient accordés au dernier des prophètes et messagers, notre maître Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, à sa famille et à tous ses compagnons. La zakat et la charité ont dit grand fruit dont la bénédiction et l'immense rétribution. Allah, gloire à lui, dit, Allah écrase l'entrée usuraire et accroît la rétribution des charités. Il dit également, ceux qui ont la foi ont fait de bonnes œuvres, accompli la salat et acquitté la zakat, auront certes leur récompense auprès de leur Seigneur. Pas de crainte pour eux et ils ne seront point affligés. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, dit, chaque jour le matin, deux anges descendent. Lundi, où Allah donne une immense rétribution à celui qui fait du dépense. L'autre dit, où Allah fait perte à celui qui se livre à la parcimonie. Il s'agit également digne du coup de la bonne santé. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, dit, cherchez la guérison de vos malades dans les charités. Réservez-vous bien avec la zakat et aux opprimés. Préservez-vous bien avec la zakat et aux épreuves. Préparez les invocations. Il dit également, la charité éteint la colère d'Allah et empêche la mauvaise mort. On a très besoin donc de réaliser le sens de bonne pieuse, d'alliance de solidarité communautaire pour que la mort règne, le bien-être s'impose et le développement se réalise. Ô Allah,
Préserve notre pays et l'Égypte et tous les pays du monde.